Yo à tous, c'est Cameron de Linus Garbage. Non, j'ai jamais fait cette intro. Je sais jamais ce que je dis en fait, je m'en souviens pas. Bref, aujourd'hui c'est le tuto Disaster, on me l'a demandé, je le fais directement à la suite de mon bike check. Dans le nouveau décor poivre, le décor provisoire, t'inquiète pas, m'insulte pas. Avant de commencer, tu peux laisser un petit pouce bleu. Et il y a toujours sur un lit le petit code promo de 5%, voilà, tu peux aller dessus sur les marques qui distribuent, ça fait plaisir. On peut commencer. Enfin, je me suis auto-mis mal à l'aise en demandant les pouces bleus et tout ça avant la vidéo. Mais vas-y, c'est bon. Faut bien gagner son pain. Bref. Alors aujourd'hui, c'est le tuto Disaster. Si tu veux réussir à faire un Disaster en courbe, c'est forcément sur une courbe de toute manière, il faut que tu saches faire un 180 en courbe, ou même juste un 180. Donc si je t'oriente vers le tuto, il apparaît là sur la fiche si je pense à la mettre à la fin quand ça sort. Si il y a la fiche où tu vas dans la playlist de tutos que j'ai faite et tu trouveras ben, ton tuto 180. Alors du coup, tout simplement, quand tu fais un Disaster, tu arrives sur la courbe et tu vas, une fois que tu arrives aux deux tiers de la courbe, du coup, tu vois, imagine, t'as une courbe comme ça, tu vois, t'as le premier tiers, deuxième tiers, et ben quand tu arrives ici, tu vas tout simplement engager un 180. En forçant plus sur l'arrière, tu vas juste faire un 180. Mais pas un 180 en levant d'abord la roue avant et après l'arrière en faisant comme un bunny up. Tu vas juste faire un 180 en soulevant les deux roues. Tu vois, tu te retournes, mais tu essayes de soulever les deux roues en même temps. Et ensuite, tu vois, tu essayes de rester stable. Tu seras calé en haut de la courbe. Évite de le faire sur une courbe trop raide pour commencer. Tu prends juste une petite éjection normale. Tu arrives, quand tu arrives aux deux tiers de la courbe, tu lances un 180. Voilà. Et tu lances ton 180 et tu te cales. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Après, pour redropper, ben, tu peux refaire un petit saut ou juste laisser aller ou juste lever l'arrière. C'est tout. Je n'ai rien à rajouter. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu arrives, tu fais un 180 Disaster. C'est extrêmement simple. Ça fait partie des premières figures que j'ai apprises et que quand j'ai des potes qui commencent, je leur dis d'apprendre ça. Pour le Disaster, c'est juste super simple. Tu peux le mettre partout. Ça fait le taf, quoi. C'est sympa. Tu peux, si ça t'a plu, laisser un petit pouce bleu. Tu peux commenter si tu rencontres une difficulté, je peux t'aider à la résoudre en commentaire. Mais je pense quand même avoir tout dit, parce qu'il n'y a vraiment rien à dire sur Strix. Et voilà. Donc si ça t'a plu, tu peux t'abonner. Et tu peux lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, partager la chaîne, le tuto, j'en sais rien. Enfin, personne partage les vidéos YouTube, donc en fait, tu ne sais rien lui demander. Mais et voilà, et toujours un petit code promo sur Unneeded. Et bientôt les 9000. Donc voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Salut.